Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, et en un mot, bonjour, bonjour et bienvenue, bienvenue sur ce live du vendredi soir. Donc, j'espère que vous allez bien, votre vendredi s'est bien passé, que vous êtes en week-end, si c'est pas le cas, bon, bah, bon courage pour la suite, hein. On va partir ce soir, donc comme vous l'avez certainement vu, lu, compris en voyant le titre de ce stream que ce soir c'est Faster Than Light FTL. Voilà, un petit jeu de stratégie voilà, développé par Subset Games, c'est ça, voilà, qui est sorti il y a un petit moment déjà, hein, il est sorti en 2012. Voilà, en septembre 2012, donc ça fait 6 ans et demi, quoi. Et alors en fait, moi je l'avais, ça fait partie de ces nombreux jeux que j'avais dans ma bibliothèque, et que je n'ai pas vraiment fait, pas beaucoup joué, d'autant qu'il était en anglais. Pas un anglais hyper compliqué, mais bon, voilà, tout est en anglais quand on est francophone, bah, ça peut rebuter certains. Et, voilà. Et perso, moi je m'étais jamais vraiment penché dessus. Et depuis qu'ils ont sorti la VF officielle là, et bah je me suis dit, allez, on va voir. En plus j'ai vu 2-3 personnes, 2-3 streamers y rejouer. Ça, et je me suis dit, ah, quand même, quand même, quand même. Donc bah, je l'ai relancé et bah j'en décroche plus. Voilà, j'en décroche plus, j'en suis. Je sais pas. J'y joue pas non plus des heures et des heures. Quoique, ouais, voilà, depuis que je l'ai relancé, j'en suis à presque 14 heures de jeu. Ce qui est, bon, c'est pas non plus excessif, mais c'est quand même ça. Alors, je suis pas forcément le plus doué au jeu, hein, voilà. Si vous voulez tout savoir, je n'ai encore jamais réussi à battre le boss de fin. Je l'ai atteint, j'ai réussi à lui faire mal, mais je l'ai jamais encore battu. Donc voilà. Donc je suis pas le meilleur des joueurs à ce jeu, mais je m'amuse beaucoup dessus. Il y a des trucs assez sympas à faire dessus, mine de rien. Et du coup, je me suis dit bon, pourquoi pas. Je savais pas trop quoi streamer ce soir. J'avais pas envie de faire de point and click, j'avais pas envie de rejouer à Old School Musical, même s'il était très très cool et que j'ai envie de le continuer. Mais voilà, ce soir, voilà, j'avais envie de FTL. Donc on va partir sur ça ce soir. Voilà. Les mêmes consignes que d'habitude, hein, si vous constatez un problème au niveau du son, n'hésitez pas à m'en faire part. Et alors, petite chose aussi pour le stream, donc comme je vous ai dit, comme je suis pas forcément le mec le plus doué dans le jeu, tout commentaire visant à m'améliorer dans mon skill est le bienvenu. Voilà, n'hésitez pas à me faire part de vos avis avisés. Si, c'est pas facile à dire ça, vos avis avisés. Hein? Avisez-vous de me donner vos avis avisés. D'accord? Hein? Voilà. Comme ça, bah, je pourrais progresser et peut-être un jour espérer lui poutrer sa face à ce boss de fin. Parce que bon, faut pas déconner. Hein? Donc, sans plus attendre, je vais lancer le jeu. Hein? Et puis, une fois qu'il sera lancé. Alors, juste. Rien que la musique est tellement cool en plus sur le jeu. Donc on va se faire la transition. Attention, attention, que je me trompe pas de bouton. Haha! C'est bon, je m'ai pas trompé. Youpi! Donc, je vais pas faire continuer parce que j'ai lancé une partie vite fait tout à l'heure pour faire mes réglages, le peu de réglages que j'ai fait. Donc on va partir sur une nouvelle. Oui, je confirme. Comme j'expliquais, je suis pas le meilleur joueur à ça, hein, j'ai encore jamais battu le boss de fin. comme ça. Donc je vais jouer en facile, hein, et pourtant même en facile, y a des moments c'est pas forcément très évident. Donc voilà. Tiens, tiens, tiens. Ouais, on va redonner un nom quand même. Le Kestrel, c'est bien gentil. Merde, non, renommé. Comment je vais l'appeler? Je
très bien l'Enterprise, mais bon, c'est un peu. Non, c'est un peu trop facile. Millennium Condor, pareil. Non, je pense que je vais partir sur. Je vais partir sur un truc avec mon pseudo, tiens, si. Hop, le Milky Way. Voilà. Le Milky Way. Et donc, si on renommait. Bon, à la limite, ça on pourra. Qu'est-ce que tu fais? You June. Non, c'était June. Ça. Bon. Ouais, bon, bref. Donc, on a quoi? Artemis, Lazare. Hop, je vais pas activer le contenu de l'édition avancée parce que, bah voilà, comme je le répète depuis le début de ce stream, je suis pas le meilleur joueur. Donc, avant de me lancer dans les trucs qui rajoutent encore plus de machin. Ouais, si, ça se dit. Si déjà j'arrive à finir un jour le jeu comme ça, vanilla, et bah ce serait pas mal. Donc c'est parti. Les données que vous transportez sont vitales pour ce qui reste de la flotte de la Fédération. Vous allez avoir besoin de provisions pour le voyage. Alors assurez-vous d'explorer chaque secteur avant de passer au suivant. Mais gagnez la sortie avant que la flotte rebelle qui vous poursuit ne vous rattrape. Astuce. Si une salle du vaisseau passe du brun clair au rouge, c'est que vous perdez de l'oxygène. Dans ce cas, les hommes subiront des dégâts dans cette salle et les feux se déclencheront. D'accord. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas, on a donc, tout un tas de systèmes, tout ça, différents. Et donc là, en gros, la barre de vie du vaisseau, hein, avec le bouclier. Ça, c'est donc la ferraille. En gros, c'est l'argent. C'est l'argent dans le jeu, clairement. Là, c'est notre essence. Là, c'est nos missiles. Parce qu'on a des armes, par exemple, l'Artemis, c'est un lance-missile. Qu'on a besoin de munitions pour qu'il fonctionne. Si on n'a pas de munitions, bah il fonctionne pas. Hein? Merci Captain Obvious. Ça, ce sont des points de drone parce qu'on peut, on a la capacité de d'utiliser des drones. Est-ce que le son, oui, si ça a l'air bien. Donc là, on a nos personnages. Là, on a le taux d'esquive grâce au réacteur, le taux d'oxygène. Ça, c'est pour sauter en vitesse lumière. En gros, on peut pas le faire s'il n'y a pas le pilote et le mécano au moteur, si je dis pas de conneries. Là, on a tous nos systèmes qui fonctionnent avec de l'énergie qu'on alimente par ici. Hop, qu'on pourra améliorer via ce menu quand on aura récolté de l'argent, tout ça, tout ça. Voilà. Là, on a les sous-systèmes qui, bah, quand on les améliore, ont de meilleures performances, tout ça, tout ça. Donc. Trêve d'explication, continuons. Ah oui, et donc on est, si je dis pas de conneries, d'histoire, en gros, on fait partie d'une faction, je sais plus exactement, la Fédération, quelque chose comme ça. On se fout sur la tronche avec une autre faction, les rebelles, je crois, c'est ça. Et en gros, on a des informations pour leur péter la gueule, donc ils nous poursuivent, donc faut qu'on arrive tout au bout de la map pour pouvoir réussir à leur péter la tronche définitive. Il faut pas se faire rattraper. Allez! En arrivant au niveau de la balise, vous vous rendez compte qu'elle est bien trop proche d'une étoile. Un vaisseau rebelle automatisé qui n'est pas gêné par la chaleur manœuvre pour vous attaquer. Et bah nous aussi, on va lui péter sa gueule! Voilà! Ah non! Ça, c'est pas bien ça. Ça commence très très mal. Oh si, on allait en devoir quelque chose quand même. Si. Non mais c'est parce que mon écran est petit. Le vaisseau explose, laissant derrière lui les pièces de ferraille. Cool. Ah putain. On va se barrer de là, faut qu'on s'en aille. Hop. Vous détectez un éclaireur rebelle automatisé, machin, intervenir. Merde, attends. Boum. Aïe.
Hop. Ah putain, merde, je peux pas fermer le... Chier. Arrête! Mais il fait rien qu'à m'embêter. Hop, toi, va réparer les portes. Vaisseau se disloque et vous récupérez des trucs. De l'essence, un missile. Ok. Ah, cool! Lorsque le vaisseau de reconnaissance explose, vous recevez un message de l'avant-poste. Merci du coup de main, on n'arrête pas de se faire harceler par ces éclaireurs. Tenez, prenez ceci, c'est offert par la maison. Merci? Ah. Ok. Boum, on ferme ça, on attend que l'oxygène revienne. Un petit peu. Voilà. Sinon, il risque de prendre des dégâts. Puis je peux pas sauter tant que mon moteur n'est pas réparé. Ça paraît logique. C'est dingue. C'est bon. Hop. Vous localisez une colonie minière humaine proche dans laquelle se propage une maladie inconnue mais extrêmement virulente. Les autorités sont en train de mettre en place une quarantaine, mais une émeute vient de se déclencher. Vous voyez des hommes pour aider à contenir la foule. Notre équipage tente de contrôler les émeutiers, mais très vite la situation dégénère. Fous de terreur, les individus infectés ramassent tous les outils qu'ils trouvent pour s'en servir d'armes de fortune, et vos hommes n'ont d'autre choix que de se replier. Ils s'en tirent sans blessure, mais ce n'est pas le cas des dirigeants de la colonie. Vous vous en allez sans demander votre reste. Ouh, ça va, personne n'est mort. Parce que ça, c'est le genre de truc où tu peux te retrouver avec un homme d'équipage en moins. Et c'est pas forcément très très cool. Allez, on va aller par là, tiens. C'est les nébuleuses intrus à bord. Okay. Les nébuleuses ralentissent la progression des ennemis. Ils sont où? Attends, on va faire ça, tu sais quoi. Ah, ok. Non, alors c'était pas ça. Ah, quoique. C'est quoi? Je vais le tenter. Non, 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 c'est débile, c'est débile. Parce que vu que j'ai pas les portes bloquées et tout ça... Ah ouais. Non. On va faire un truc. C'est ça. Hop. On va les asphyxier. Parce que c'est rigolo d'asphyxier les gens. Ça part mal. Ça part très très mal. C'est pas bon. C'est pas bon du tout ça. Allez, crevez. Je pense que c'est bon.
On va se soigner, hein, et puis après. Ce sera pas plus mal. Début de partie difficile, hein. T'allais par là. Ah. On se casse. Non, la boutique pour l'instant, ça sert à rien. Enfin. Ah super, plus de bouclier. Vous arrivez dans un secteur de la nébuleuse où une tempête de plasma fait rage. Un éclaireur rebelle, automatisé en poste à la balise, s'apprête à vous attaquer. Merde! Ah d'accord, ah ouais. Faire ça. Boum. Ah non, j'ai pas le choix. Putain. Ça va piquer. Non, faut que je me casse. Faut que je me casse. Si je reste là, je suis foutu. Je pourrais pas la... Ah putain, il a raté, le connard. Non. Ça sent pas bon. Salut Castelmark. Comment ça va bien? Explose, hein. Ok, attends, juste. Hop. Le week-end, ah bah oui. Le week-end, ça fait plaisir. Ah, par là, également perturber vos capteurs. Peut-être moyen que je fasse ça, tac, tac, ouais. On va tenter ça. On va essayer de pas crever trop vite. Ah bah c'est mal barré. C'est très très mal barré, cela depuis le début de partie, j'ai déjà failli mourir à chaque fois en fait. Donc voilà. Et je joue en facile, hein. C'est ça qui est génial, c'est que je joue en facile mais je risque de mourir comme un caca à chaque fois, tout va bien. Vous croisez la route d'un vaisseau de reconnaissance de pointe appartenant à la flotte rebelle qui recherche justement votre astronef dans cette partie de la nébuleuse. Hop. Hop. Ouh. Mais ouais. Après, si vous voulez m'aider, si vous voulez me donner des conseils pour pas mourir trop vite, ils sont les bienvenus. Alors, comme je le disais plus tôt au début du stream, j'ai encore jamais réussi à battre ce putain de boss de fin. J'ai réussi à l'atteindre, à lui faire mal, mais le flinguer, jamais. Donc voilà, tous les conseils de bonne aloi sont autorisés. Ah putain, regarde-moi ça, quoi. Ah, ça fait mal. Ah putain, ça brûle ici. Ah merde. Oui bah... Utilise tes armes quand elles sont... ouais, non, je vais pas utiliser mon...
Tu as jamais joué? Et bah, si tu as l'occasion, vas-y, parce qu'il est très très cool. Le vaisseau explose. Hop, alors attends, on va faire un truc, c'est ça. Ah putain, non. Va l'aider, toi. Ah putain. Mais c'est comme ils ont pété mes portes, ces connards. Eh ben je peux pas. Voilà. Hop, vite. Ça va éteindre le feu. En plus, les boucliers sont en train de brûler, tout va bien. C'est bon? Ok. Ça va être une partie compliquée. Oh putain! Non, c'est pas bon! Merde! Y a d'autres endroits où ça crame ou pas? Oh là là. C'est bon. Ouais, c'est bon. Hop. Toi, va te soigner. Toi, va te soigner aussi. Ah. Le son est pas trop fort. Le son du jeu par rapport à ma voix. Trop fort ou pas assez, hein. Normalement c'est bon, mais je préfère m'en assurer. On va pouvoir aller à la boutique après pour se réparer parce que... Hein? C'est bueno? Bon, comme le Kinder? Eh! Les nébuleuses sont réputées pour être... C'est Bona? Ah! Vous s'y suivez Missa? C'est Bona? Les nébuleuses sont réputées pour être des terrains de chasse que prisent les Mantis. Voilà une information dont vous auriez mieux fait de tenir compte. C'est pas grave, je vais lui péter sa gueule quand même. Toi, tu vas taper le bouclier. Et toi après. Boum! Voilà. Là, tu fais ça. Haha. Le vaisseau explose, laissant derrière lui des pièces de ferraille fort utiles. Et mais. Vivement que je recrute d'autres personnes, parce que là, à 3, ça va pas. Ça va pas le faire. Ça va pas le faire si on reste 3. Hop. Boutique, boutique. Il n'y a qu'un seul autre vaisseau à cette balise et c'est vraiment endommagé. Vous recevez un message sur votre ordinateur de bord. Bonjour voyageur, nous avons été attaqués par une bande de pirates et sommes maintenant dans l'obligation de vendre de l'équipement de valeur afin d'acquérir les provisions nécessaires pour pouvoir rentrer chez nous. Alors, on a dit qu'il nous fallait de la coque. Alors est-ce que je répare tout comme un sac? Oui. Hop, là. Les drones, j'aime pas trop me servir des drones. Je sais pas trop les utiliser encore. Logan Johnson. Bon, niveau carburant 24, ça va, on est plutôt bien. Le truc que je trouve très con par contre dans le jeu, c'est que les choses dont on n'a pas forcément besoin, genre les pièces de drones, quand on se sert pas des drones et qu'on accumule les trucs, on peut pas les revendre. Je trouve ça un peu con. Mais bon, c'est pas bien grave. De l'essence, on n'a pas besoin. Les missiles. C'est toujours bon d'en avoir un peu plus. Et je recruterai bien lui, là. Partiellement, vida, là, là. Ouais. Allez, viens. J'ai rien à vendre. Hop, et... Ah putain, il y a un trou là. Il est pourvu. Ça l'a pas réparé de...
Ah yeah, il ne reste pas là à mourir. Et... Hop. Hop. On se casse. On va aller par là. Les mercenaires sont en pleine expansion dans la galaxie, car ils savent que leurs services, d'une légalité tout à fait discutable, sont très demandés en ces temps de guerre. L'un d'eux, stationné à cette balise, vous interpelle. Engagez le vaisseau mercenaire pour retarder les rebelles, engagez pour l'action, etc. Hein. Ils ont quoi? Un bouclier, là. Combattre! Ils sont pires que les rebelles, la seule chose à faire, c'est de les combattre. Ouais. On va leur péter la gueule. Les musiques de ce jeu sont tellement bien. Salut Black Cube, le meilleur golfeur e-sport. Hey. Comment ça va? Boum. Le vaisseau explose, laissant derrière lui des pièces de ferraille fort utiles. Ah bah oui, hein. Tout ça c'est fort utile. J'améliorerais bien les portes, parce que ça fait deux fois que je me fais envahir, et que je peux pas les bloquer. Non, là ça n'a pas de sens. On va aller voir par là. Ah ouais. Ah c'était un grand moment là, la soirée golf hier. À réitérer, je pense qu'il y a un concept à faire de soirée golf. Un vaisseau de reconnaissance automatisé patrouille autour de cette balise. Le combat est inévitable. Ça tombe bien. Ah merde, il veut se barrer. Connard. Le vaisseau commence à... Alors on va faire ça tout de suite. Kezako, du golf? Oui. Tes streams ce soir, Flemingite aigu. Kingdom Come, ouais. Le golf c'est la vie. Alors pour tout te dire que Castelmark, donc Black Cube FR qui est streamer aussi, et il a réussi, il a bien fait son job de community manager. Il a réussi à me faire acheter un jeu de mini golf qu'on peut jouer en ligne et. Et du coup hier soir il streamait et je suis allé, je l'ai rejoint sur le mini golf pour rigoler, enfin voilà, et on s'est bien marré. Voilà, c'est un jeu en early access depuis 2 ans qui est buggé de partout mais qui est très très drôle à faire à plusieurs. Donc ouais, c'est très très marrant, c'était très très rigolo. Donc il faudra réitérer l'expérience si possible. En tout cas, moi je suis partant. Voilà. Boum. Parce que 7 heures dessus. J'aurais dû taper les armes. On va faire ça après. Ouais, non, mais le cap des 50 heures, il y a moyen. Hein. Bah, si tu fais ce que t'as dit hier, le concept de faire les soirées golf où t'invites, je sais pas, des streamers ou d'autres personnes, à chaque soirée, une personne différente invitée, ça peut aller très très vite. Hein. Ça peut aller très très vite. Ah, y a moyen de s'en faire un dernier encore. La balise de détresse provient d'un vaisseau civil qui semble être pris en chasse par des pirates. Évitez de vous en mêler ou vous portez au secours. Oh, allez, on a toute la coque, on a de l'essence, on a des munitions. À l'attaque! Vous activez vos armes et engagez le combat avec le vaisseau pirate. Bah oui. Of course, on fait ça.
Histoire, qu'est-ce qui te poursuit là? Bah, c'est toujours la même faction. Je crois, c'est toujours les rebelles hein, qui nous poursuivent. Merde. Crois que c'est toujours plus ou moins les mêmes. Hein. Voilà. C'est à étudier. Ouais, ah ben si tu veux lancer une ligue e-sport sur Golf with your friends, les pauses, faudra pas en faire trop non plus, hein. Ouais, FTL, c'est assez facile à comprendre, mais c'est juste que le jeu est très très dur en fait. Même en facile, enfin, c'est de la stratégie, c'est le vaisseau se disloque. L'astronef était un vaisseau scientifique. Ah, cool, une récompense. En gros, moi, de ce que j'ai compris, c'est que tu transportes des informations vitales pour la flotte de la Fédération dont tu fais partie. La Fédération qui est en guerre contre bah, la faction des rebelles. Et donc, faut que tu arrives à apporter les informations à tes... à ta faction, mais pendant ce temps-là, les rebelles te poursuivent et il faut pas qu'ils te rattrapent. Tu vois, par exemple, là, hop, tu vois, donc là, toute la zone rouge, c'est la flotte rebelle qui me rattrape. Et bah, faut essayer un maximum qu'elle nous rattrape pas, quoi. Et donc, faut joindre la sortie avant qu'ils nous rattrapent. Donc là, je vais y aller parce que. Hop, vous êtes arrivés, hop, continuez. Ce qui ressemble de prime abord à une nébuleuse regorge en fait de débris provenant d'un affrontement musclé entre plusieurs vaisseaux. Les épaves dérivent devant vous et finissent par sombrer dans les profondeurs de l'espace, disparaissant au loin. Difficile de savoir qui étaient les belligérants sans aller plus loin. Inspecter le champ de bataille ou ignorer les épaves. Et puis on a des choix à faire aussi. Tu vois par exemple, je peux décider de me barrer. Parce que j'en ai rien à foutre, mais je peux aussi aller inspecter le champ de bataille. Et il y a plusieurs possibilités, pardon, qui arrivent. C'est que bah, je peux trouver du matos, aussi bien des pièces à recycler que des munitions, des trucs comme ça. Mais aussi, je peux me manger des débris et faire des dégâts sur mon vaisseau. Voilà. Donc là, bon, si je prends des dégâts, je m'en fous parce que j'ai toute la coque. Mais quand tu tombes sur un endroit comme ça, alors qu'il te reste plus que 2 points de coque, bah là, tu commences à envisager les choses différemment, tu vois. Donc c'est ça qui est un peu intéressant aussi, c'est qu'il y a pas mal de choix à faire dans le jeu. On va inspecter. Ah, bah tu vois, je suis tombé sur un connard là. Tout ça, mais je sais pas, j'arrive. Ouais, bah et puis il est. Ouais, oui, c'est un jeu de niche. Mais il est cool, enfin, ce que j'expliquais au début du stream, c'est que je l'ai. Quand il était sorti, il m'avait tapé dans l'œil, je l'avais pris, mais j'y avais jamais vraiment joué. Et là, il n'y a pas longtemps, ils ont sorti une version française officielle, et du coup, bah, je m'y suis remis et je m'éclate comme un petit fou. Même si j'ai jamais réussi à battre le boss de fin. Putain, j'arrive pas à parler ce soir, je suis désolé. Donc, les épaves semblent provenir d'une bataille entre chasseurs de la Fédération et croiseurs rebelles. Bien qu'inférieurs en nombre, la Fédération s'est vaillamment battue. Alors que vous entamez un scan plus poussé des épaves, des renforts rebelles arrivent dans le système et ciblent votre vaisseau. Et bon, on va leur péter la tronche. Ouais, du coup, faut gérer ton vaisseau. Tu dois améliorer les trucs, tout ça, pour devenir de plus en plus puissant et pouvoir vaincre des ennemis de plus en plus puissants eux aussi. Et puis t'as une grosse part de chance aussi, dans le jeu, faut pas l'oublier quoi. Un truc tout bête, hein, quand j'ai commencé ma partie, j'ai failli mourir au bout de 3 sauts quoi. C'était n'importe quoi. On a bousillé les moteurs, des fois qu'il a envie de se barrer. Ah! Ils nous offrent une partie de leur cargaison si vous leur laissez la vie sauve. 2 missiles. 14. Pff,
Non, c'est rien ça. Refusez leur reddition, à mort! Et c'est les mêmes développeurs qui ont sorti récemment Into the Breach. C'est les mêmes. Le vaisseau explose, descend derrière lui, hop. Ouais, on a un peu plus de ferraille, puis on a du fuel. Bon bah ça va. Hop. Alors, sous contrôle rebelle, sous contrôle mantis. Oh. Ça se sent pas mal. Ouais. Allez, là, on peut toujours rallier la nébuleuse. Le truc. On va partir chez les mantis. Voilà, dans une zone de l'espace mal cartographiée, connue pour être le cœur de l'espace Mantis. Assurez-vous que le blindage de votre coque est à la hauteur et que vous avez assez de carburant dans le réservoir pour la traverser. Bon, niveau carburant, ça va. Et la coque, ça va aussi. Tiens, est-ce qu'il n'y aurait pas un petit truc à améliorer, là? Les armes, pour l'instant, c'est pas la peine. Peut-être le bouclier, est-ce que j'ai assez? Non, pour l'instant, je vais rien améliorer. On va farmer un peu. Tac, tac. Cela, si on part par là, est-ce qu'il y a moyen de... Ouais, on va partir en haut. Allez. Vous détectez une capsule dérivant non loin et vous la récupérez. En apprenant qu'elle provient d'un vaisseau Mantis, vous vous demandez sérieusement si vous ne feriez pas mieux de la rejeter dans le vide. Ah! Je l'ai jamais vu ça encore. Je suis jamais tombé sur ce truc là, donc je sais pas du tout. C'est pareil, c'est le genre de truc, à mon avis, plus tard tu peux tomber sur quelqu'un qui dit « Ah, vous avez récupéré ce truc là, merci !» Ou alors, ça peut être « Ah, oh, vous avez récupéré ce truc-là, on va vous fumer !» Allez, je m'en fous, je l'ouvre. Le Mantis, enfermé à l'intérieur, vous considère comme un envoyé des dieux et demande à rejoindre... Ah, bah voilà, tu vois, j'ai bien fait. Boum, un nouveau membre d'équipage. Et toi, tu vas aller, tiens, aux portes. Ou aux caméras. Non, aux caméras, comme ça, si on voit quelque chose... Ce sera mieux. Ah, j'ai eu une bonne idée. Vous repérez un petit vaisseau rebelle non loin. Il semble avoir été modifié pour transporter du matériel plutôt que pour combattre. Et n'a pas l'air d'avoir envie de vous affronter. Exigez qu'il vous remette sa cargaison ou évitez le vaisseau. Ah. On fait le connard parce que c'est un vaisseau rebelle ou on les laisse tranquilles? Allez, on va être sympa. Il finit par s'enfuir. J'aurais pu l'attaquer, mais bon. Ah putain, merde, des intrus. Notre monde change, les mantis sont à bord. Ok. Attends, on va faire ça. Vas-y, venez, je vous attends. Vous pouvez péter le truc, je m'en fous. Ça fait un dégât de coque, mais... C'est pas grave. Tiens, viens aussi. Allez. What? Il a failli mourir. Non, c'est pas fini. Si, c'est fini. Hop. On a dit les caméras et toi tu retournes à ton poste. Boum, on continue.
Vous apercevez. Non, j'ai pas besoin de réparer. Pas besoin. Bon, je farme rien là, c'est chiant. Ah! Alors, t'as choisi laquelle? T'as choisi laquelle finalement? Vous apercevez un éclaireur rebelle automatisé dérivant. Il en est en parfait état. Tous ces systèmes semblent éteints. Tentez de télécharger les banques de données. 18, c'est pas. Discord, d'accord. Tentez. Allez, on va essayer. Ouh! Récupérez toutes les données, ce qui vous permet de mettre votre carte à jour. C'est cool ça! Ouais. Ah, elle est goldée celle-là. Elle est ultra goldée. Eh ben c'est cool. Et du coup. Ah ouais, la boutique elle est que là. Oh, est-ce qu'il y a moyen? Ah putain, ça veut dire si je vais là, faut que je revienne à. Tac, tac. Ah, ça va être tendu. Ça va être tendu. Capté, il se fait attaquer par les mantis. On va aller à son secours. Froncez les sourcils, activez vos armes et vous préparez à engager le combat. Hop. Vaisseau mantif tenté de. Hop! Il s'est barré. Bon, bah d'accord. Même pas une petite récompense, rien. Salaud! Vous trouvez la source de l'appel de détresse qui n'est autre qu'une petite station menacée par les flammes, le feu, pris dans un laboratoire. Ah! Ah, j'aurais un rocailleux, je pourrais l'envoyer, il craindrait pas le feu. Envoyer les hommes à bord, c'est prendre un risque qu'il y en ait un qui crame. Vas-y, on va essayer de les sauver, on va être sympa. Placez votre vaisseau et découpez la coque. Cela vous permet de sauver plusieurs membres de son équipage, mais la plupart sont morts. Les survivants demandent à se joindre à vous. Ah bah c'est bien ça! Avant d'aller déposer les autres sur une station voisine. Cool! Bon, j'ai que des humains avec moi, je préférerais avoir des. Je préférais avoir d'autres, mais bon, c'est pas bien grave. Un vaisseau rebelle s'approche prudemment, son capitaine en contact. Si ça ne tenait qu'à moi, je serais resté fidèle à la Fédération, mais je suis un soldat, et si je ne guerroie pas, je perds ma raison d'être. Préparez vos boucliers! Ah, d'accord. Je ne me laisserai pas faire. Ah merde! Vite! Évidemment, je vois plus rien. Alors, péter l'O2 aussi, tiens. Voilà! Ne nous tuez pas, on vous donnera tout ce qu'on a. Accepté ou... Non! Allez pas faire les malins! Bande de fils de mouettes! Voilà! Vaisseau explose. Allez. Pouh! Hop. Bah allez, allez dedans. Ah putain le con! J'étais en train de me dire merde, je perds de l'O2, je comprends pas pourquoi. Bah oui, il est désactivé. Ah putain!
C'est bien, je me serais retrouvé avec tous mes personnages morts d'asphyxie. Pourquoi pas, hein? On va peut-être améliorer un peu des trucs. À moins que je... Ça a l'air tendu d'aller jusqu'à la boutique quand même. Hein. Et c'est con que je puisse pas relier là. Ça fait 1, 2, 3. J'hésite. Ah, si, il y a moyen. Il y a moyen de moyenner, je suis sûr. Hop, bonjour, nous vivons. Ah, il semblerait que ce soit un marchand. Ok, alors. Déjà, je vais vendre lui. Parce que les drones, je m'en fous. Téléporteur, non. Armes actives. Les armes du vaisseau sont disponibles après un saut. Ça, c'est pratique comme truc, mais c'est cher. Champ ionique inversé. Recharge automatique. Ah. Je serais tenté de prendre les armes actives. Parce que ça, c'est quand même vachement pratique. Quand t'arrives en combat. Pouvoir les canarder dès que t'as fini ton saut. Je pense que je vais prendre ça. Ouais. Allez. Je suis un fou. Réparation, non. Essence, j'en ai plein. Hop, je vais prendre les missiles parce que ça fait toujours plaisir. Ok. Je risque de rencontrer la flotte. Merde. Ouh. Non, c'est bon. C'est étendu. Balise non portée, SPL chargé, pour effectuer un saut. Vos appareils vous révèlent la présence d'un important champ d'astéroïdes non loin. Vos scanners à courte portée pourraient détecter des ressources utiles pendant que vous attendez que votre générateur supraluminique se recharge. Respire. Allez, on va explorer. Ah putain, bah voilà. Ce que je disais. Hop. J'aurais pas dû. J'aurais pas dû. Alors, secteur civil ou nébuleuse? Je serais tenté d'aller dans la nébuleuse. Comme ça, on va pouvoir farmer plein de trucs. En raison de la forte densité de nébuleuse, ok. Il va falloir que j'améliore mes boucliers à un moment aussi, je pense. 20, 30. Fera ça après. Ah. Ah. Tac, 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 tac. Ouais, 1, 2, 3. Ouais, on va faire ça. Allez, vendu. Hop, les débris. L'appareil de reconnaissance surgit de l'épave. Ah, le bâtard, il a camouflage. Merde. Faut que je bousille ça avant. Voilà. Le vaisseau explose, laissant derrière lui des pièces de ferraille fort utiles. Super. Johnson. Ah. Ah. Ah merde, est-ce que je vais à la boutique ou pas? Ouais, mais j'ai pas envie de passer par en haut, moi. Ah putain, fais chier. Non, je vais continuer ce que j'avais dit. On continue le plan. Tant pis pour la boutique. Vos capteurs étant hors service, vous passez un long moment à guetter. Une chose est sûre, le paysage est magnifique. Super. Ah bah il y en a une là. Eh bah voilà, c'est parfait. Ça, je suis sûr de pouvoir y passer. Un marchand d'armes de contrebande vous tient le crachoir sur les dangers dans la nébuleuse avant d'étaler sa marchandise. Acheter une arme inconnue pour 45 pièces de ferraille. Les armes de contrebande.
Non. À l'attaque. Ok. Tac. Les armes. Hop. Après, on va lui péter l'eau deux. Oh! Si vous avez le sens de l'honneur, laissez-nous survivre. Bon allez, je les ai un peu attaqués pour rien, on va accepter. Voilà. Hop. C'est marrant d'être un connard, mais bon. Découvrez un groupe de vaisseaux de réfugiés de la Fédération s'abritant dans un recoin de la nébuleuse. Je suis désolé, nous n'avons rien à vous donner. Nous avons besoin de pièces de ferraille pour faire tourner les moteurs. Vous sentez qu'ils vous proposent un marché. Non, ça c'est de la vente. Ça, je m'en fous. Armes furtives. Faire disparaître. Ah. Non, ça c'est bien en vrai. Le collecteur de ferraille, ça c'est cool. Pour farmer, c'est bien ça. Ah, on va prendre ça. On va tout réparer. On va prendre de l'essence. Et puis. Non, je vais pas reprendre des munitions. 13, ça va, ça passe. Allez. Je peux rejoindre la sortie au moins? Oui. Ça aurait été con. Ça aurait été très très con. Merde, plus de bouclier. Vous arrivez dans un secteur où une tempête de plasma fait rage. Un éclaireur rebelle automatisé s'apprête à vous attaquer. Bordel. Oh, puis j'ai plus de. Ah la vache, j'ai plus d'O2. Hop. On va faire ça, c'est le plus important. C'est de pouvoir respirer, faut pas déconner. Hop. On a eu des ferrailles. Ok. Mais non, c'est pas les boucliers que je. Ah, boulet! N'importe quoi. Capteur actif. Ah, tout est calme. Ah, bah c'est parfait. On va pouvoir activer des trucs. Ok, ça marche, Black Cube. Bah, amuse-toi bien. Et puis bah, merci d'être passé, à la prochaine. Pour une soirée golf peut-être, hein? Avec plaisir en tout cas. Je reviendrai avec plaisir. Salut. Naviguant à l'aveugle dans le brouillard, vous manquez presque de percuter un vaisseau Mantis. Son capitaine vous interpelle. Ah, cette fois, nous pas attaquer, nébuleuse très dangereuse. Les prochaines fois, humains, tous mourir. Est-ce que je joue le suicidaire à attaquer tout ce qui bouge ou pas? Est-ce qu'ils ont un téléporteur, les mecs, hein? Ils ont un téléporteur, mais j'ai pas mal d'hommes d'équipage. Allez, vas-y, j'en ai rien à foutre, je les attaque. Et on va bousiller ça tout de suite. Hop! Hop! Et on va les asphyxier. Parce que c'est rigolo d'asphyxier les gens. Et voilà. Le vaisseau explose, laissant derrière lui des pièces de ferraille fort utiles. Hop. C'est super ça. Bon, j'ai dit qu'il fallait que j'améliore mes boucliers. Hop. Voilà. Parce que c'est jamais trop d'avoir au moins deux boucliers.
Tac, je pourrais faire ça. Il y aura peut-être moyen que je fasse ça. Allez, on tente le gros comme un gros foufou. Un vaisseau de pointe automatisé est en poste près d'une petite station spatiale rebelle. Toutefois, sans capteur en état de marche, il vous est impossible de savoir ce qu'il y a à l'intérieur. On va l'attaquer. Parce que rien à foutre. Ah merde, c'est un lance-missile. Ah, je suis con, j'aurais dû le flinguer lui d'abord. Bon, ça va, il m'a loupé. Je vais péter le poste de pilotage. Fouiller la station. Ah, équiper les vaisseaux de drones. Un schéma est... Ah, trop cool! C'est ce qu'on dit à chaque fois, hein, ce qu'on dit depuis Half-Life, hein, tout faire péter, la violence, c'est la seule solution pour parvenir à ses fins dans les jeux vidéo. Tout va bien. Ne m'écoutez pas, les enfants, ce n'est pas vrai. Ceci est un disclaimer. La violence ne résout pas tout. Un vaisseau de la Fédération sévèrement endommagé se cache dans la nébuleuse près de cette balise. Avant que vous n'ayez le temps de le contacter, il disparaît dans les nuages. Ah bon, on va essayer de le suivre. Tout en fouillant la nébuleuse, vous tombez sur le vaisseau. Quels éloignés sont tentés d'échapper. Ah. Ah merde! Il l'a raté. C'est ballot ça? Oh, sérieux. Boum! Ça, ils pourront pas s'échapper. Une partie de leur cargaison, si vous leur laissez la vie sauve. Oh, 5 missiles! Ah! Allez, 5 missiles, c'est toujours bon à prendre. En tout cas, moi, ça me convient. Je vais pouvoir faire ça, peut-être ça, ça. Ah, il y a moyen que je puisse faire un petit tour. Intrus à bord, merde. Hop. Crevez tous. Sale fils de mouette. Ah vas-y, viens. Vas-y. Hop, on va faire ça, regarde. Oh zut! Oh bah non! Je crois qu'ils sont en train de réaliser qu'ils vont mourir. Je crois qu'ils sont morts, ça y est. Zou! Ah bah ça, quand on me fait chier. On va faire... Hop, on va se soigner un petit peu, c'est toujours pas... C'est jamais... Hein? C'est toujours une bonne chose. On va réparer ceci. Ok. Hop. Ouais, c'est ça, je peux faire ça. Alors lui, je l'aurais pas, mais à la limite celui-là, et peut-être lui, je peux réussir. Votre vaisseau apparaît assez loin de la balise. Vous voyez un appareil rebelle. Qu'est-ce qu'ils ont? Attaque!
Je suis qu'un connard. Hop, voilà. Je te souhaite bien du courage, le petit drone là. On va péter ça aussi. Bon, ça va, un message. Votre vaisseau est étonnamment bien équipé. Acceptez ceci, laissez-nous la vie sauve. Ah, un laser rafale MK2. Et des missiles. Ouais, allez, vas-y, je prends. C'est quoi exactement? Est-ce que c'est. Ah, et c'est la même. Ah, mais si j'en ai deux, ça peut être pas mal. Attends, attends. Je vais voir un truc là, ouais. Échappe. Parce que 35, 50, ouais. Il nous reste combien? 55. Ah! Oh, vas-y, je vais faire ça. Haha! Hop! Voilà. Suis pas sûr que c'était une excellente idée de faire ça, mais bon. Oula, oulala, c'est pas bon ça. Un transporteur blindé rocailleux à proximité semble avoir perdu ses repères. Vous l'interpellez, son capitaine vous répond à ton méfiant. Qui que vous soyez, nous vous trouvons répugnant. Nous n'avons pas besoin d'aide, alors déguerpissez. Comment ça, répugnant? Espèce de sac à proutes. Ah ouais, mais attends, ah ouais, mais non. Oh! Ça risque d'être un peu tendu tout ça. Mon avis, je vais prendre cher si je les attaque là. Mais j'ai bien envie de tenter quand même. Allez, vas-y, parce que je suis un gros fou. Hop. Voilà. Tu veux jouer à ça? On va jouer à ça. Hop. Voilà ce qu'ils te disent, les répugnants. Hop. Vous contactez. Assez. Vous nous avez dit que les aliens constituent une menace pour nous et vous venez de faire la preuve. Prenez ceci et laissez-nous en paix. Non. Fallait pas m'insulter. Hop. Continuez. Ah merde. Ah, peut-être pas que je pourrais l'avoir la sortie. Ce serait peut-être un peu tendu là. Ah. Ouais, non, je vais pas m'amuser. J'ai pas envie de le tenter là. Caché, j'ai rien, vous pourrez effectuer votre saut. Ok. Hop, hop, hop. Ouais, non, j'aurais jamais pu. Enfin, j'aurais été obligé de me battre. Nébuleuse inexplorée. Ou monde natal des NJ. Bon, on était déjà dans une nébuleuse. On va aller chez les NJ. Allez. Allez. Voilà, dans l'espace des NJ, les temps sont durs. Pour ces formes de vie robotisées depuis la défaite. En règle générale, ils acceptent d'aider les voyageurs spatiaux. Cool. Je suis un voyageur spatial. Dans mon vaisseau cosmique. C'est con que la boutique soit juste là. Ah mais attends, j'ai pas des trucs à vendre? Si, j'ai ça. Attends, je vais faire ça, ça. Voilà. On va aller faire un premier truc et après, hop. Vous apercevez un éclaireur rebelle dérivant près de la balise. Il est en parfait état et pourtant tous ses systèmes semblent éteints. On va essayer. Ah, ça n'a pas marché cette fois. Ah merde. Allez. Ah bah voilà.
missile, hop. Les NJ. Les NJ ont besoin, le ferraille, malin, la ruche, contre l'équipement. Et bah ça va être ça déjà. Hop. Ah, pas cher. Débit, Artium. Talent d'équipage, lui il est bon. Alimente le système occupé en énergie. Non, j'ai pas envie de recruter quelqu'un. J'ai pas envie, je vais prendre ça. Et ça. Et puis ce sera bien. Allez. Au revoir. Bam, bam, bam. Ah oui, il faut que je rallie ici. Alors attends, comment? Ouais. Ça va être tendu. Je sens. Ils arrivent sur une planète. Y a rien. Ah bah c'est super. Ah oui, non, je vais pas pouvoir faire mon. Ouais, ça risque d'être tendu tout ça. Ah! Ce qui semblait être un vaisseau endommagé est en réalité deux vaisseaux qui se sont percutés. Vous recevez de nombreux signaux de communication. Il est difficile de déterminer ce qui s'est passé. Les deux vaisseaux ont l'air NJ et apparemment ils n'arrivent pas à se décrocher. Tenter, ignorer, demander de contacter les vaisseaux. Ouais. Membre d'équipage NJ refuse dans une succession hachée d'adjectifs et de noms ponctués d'aides holographiques. Il vous explique que les deux vaisseaux sont en train de s'unir. Pourquoi pas? C'est ce que la traduction semble indiquer en tout cas. Et pour une raison que vous avez du mal à vous expliquer, votre homme semble extrêmement gêné de vous parler de cette consolidation de vaisseaux. Vous décidez de les laisser faire ce qu'ils ont à faire. Cela ne nous regarde pas. Oh là là. Des vaisseaux qui copulent. Non mais sérieusement. Après avoir interrogé votre membre d'équipage NJ, votre membre, bien sûr, vous parvenez tout de même à récupérer quelques pièces de ferraille autour des deux vaisseaux, même si vous avez un peu l'impression de vous comporter comme un voyeur violant leur intimité. D'accord. Donc, si on part du principe qu'on a deux vaisseaux qui copulent là, et qu'on récupère la ferraille qui vole autour d'eux, on est d'accord que cette ferraille c'est. Ah. Vous voyez ce que je veux dire? Non? Non? Vous avez une image dégueulasse dans la tête. Hein? C'est ça, hein? Ouais, moi aussi. Ah putain, ils vont me rattraper vite, ces connards! Il risque de. Berk! Oui. Un message envoyé sur une large bande passante. Schéma gratuit, pensez à vous rendre à notre nouvelle boutique. Hop. Attends, j'ai gagné un drone? Oh, cool. Super. Merci, je crois. Et si je tente comme ça, là? Tac, tac. Vas-y, on va tenter par en haut. Merde, ils ont un téléporteur, les connards. À votre arrivée, une myriade de signaux d'alerte illuminent votre écran. Un vaisseau pirate à proximité, manifestement équipé de modules de piratage de pointe, a tenté de couper vos moteurs. Votre équipage parvient toutefois à les garder péniblement opérationnels. Attends, attends. Allez! Vas-y, tire-leur dessus à eux. Hop! Oh oui, c'est le feu! Ça, c'est beau! Moi, j'aime bien le feu. J'aime bien l'allumer.
Allez! Maintenant qu'il est détruit, les moteurs tournent à plein régime. Là, il y a un truc qui est très très rigolo aussi à faire dans le jeu, que j'ai déjà réussi à faire il y a pas longtemps. Enfin, c'est rigolo, je vais passer pour un psychopathe à dire ça, mais c'est pas grave. Ce sera pas la première fois. C'est que donc on peut foutre le feu des fois au vaisseau et machin, et si t'arrives à te débrouiller suffisamment bien, tu peux réussir à piéger l'équipage adverse dans les flammes. C'est-à-dire que s'ils essayent de faire quoi que ce soit, ils crèvent en brûlant. Et du coup, tu peux regarder. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'arriver à un moment où t'as juste à regarder le feu se répandre dans le vaisseau adverse et attendre qu'il meure comme des cons. T'as plus besoin d'utiliser des armes, c'est rigolo. Voilà. Je vais faire fuir les gens à dire ça. C'est qui ce mec? Oui, c'est sadique, ouais. Carrément. Carrément. Mais bon, dans le jeu, tous les moyens sont bons pour économiser des munitions. Hein. Une petite plateforme est en orbite autour de cette balise. On dirait un genre de station de ravitaillement en carburant, à en croire les messages qu'elle envoie, affichant ses tarifs dans toutes les langues connues. Vous amarrez à la plateforme, ignorez la plateforme. Plateforme vous fait une offre. Ouais, vas-y, ça me semble bien. Comme ça, j'aurais pas besoin d'en racheter, je suis blindé. Ouh! Petit vaisseau Mantis se détache de l'épave à laquelle il était amarré et s'enfuit d'un saut rapide. Vous avez manifestement interrompu son opération de récupération juste à temps car vous découvrez une arme prête à être installée. Laser lourd MK2. C'est quoi ça? Ce laser lourd tire deux fois à la suite, chacun de ses tirs infligeant 2 de dégâts. Puissance requise 3, temps de charge 13. Attends. Ah! Tir par charge 2. D'accord. Ah, ça peut être pas mal de l'avoir lui. Ah, attends. Parce qu'on va faire un truc genre. On va faire genre. Ça. Ça. Comme ça. Boum! Voilà. Et comme ça, lui, il pourra tirer. Ah, oh, on va être bien, là. On va être pas mal. Ça me fait penser à... 2 secondes. Où je boive un coup. Hop! C'est bon, c'est comme avec Old School Musical. À force de lire tous les trucs, ça assèche. Ok, tac. De toute façon, j'ai pas le choix. Si je vais là, je meurs. Ah, je peux peut-être faire tac, tac. Non. Non, non, non. Je vais partir là, ce serait mieux. Le capitaine d'un vaisseau rebelle vous contacte. On n'a pas fait tout ça pour laisser un vaisseau de la Fédération anéantir nos rêves d'une galaxie meilleure. Ces armes prennent pour cible, et ils ont aussi un téléporteur, ces sales fils de mouette. Moi j'ai un lance-missile. Boum. Là je fais ça. Hop, et là je fais ça. Ah merde. Ah le bâtard. Ça n'a pas marché. Ah ouais? Ah ouais, t'es comme ça, toi. Ah, mais arrête de... Arrête de faire de la merde, toi. Ok. Non, 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 tu vas pas faire ça, crois-moi. Hop. Là, tu vas aller péter ça.
vous en prie, ne nous tuez pas. Ah, fallait y penser avant, les gars. Voilà. On va voir, tiens, s'ils arrivent à arrêter le feu. Je suis curieux. Ah bah non. Voilà. Le vaisseau explose, de la ferraille, tout ça. R.I.P. in peace. Oh putain, deux boutiques, c'est sérieux ça? À mon avis, vaut mieux choper celle-là. Ensuite, peut-être espérer avoir ça et partir là. Ouais, on va faire ça. Un vaisseau NJ vous contacte. Amélioration NJ nécessaire pour rentrer maison. Vente équipement nécessaire pour amélioration moteur. D'accord. Bon, on a vu que ça, on n'en avait pas besoin. Toi, hop. Recharge rapide. Augmente le rythme de recharge des boucliers. Est-ce que je chopperai pas le téléporteur? Ouais, mais non, parce que j'ai pas de mec suffisamment balèze. Et le camouflage, je sais pas trop encore m'en servir, mais ouais. J'ai pas de mec suffisamment balèze en baston pour. Choper le téléporteur. Mais du coup, je serais tenté de le. Oh, je le vendrai plus tard si j'ai besoin. Est-ce que j'ai besoin de. Ah, mais si, il y a des trucs, faut que j'aime. Non, j'ai dit que j'avais la. Ah, bah non, c'était. Ouais, si. Ça risque d'être un peu tendu, mais ça devrait le faire. Ils ont. Le capitaine d'un petit croiseur vous interpelle. Quelle chance de tomber sur vous. Ça n'a rien de personnel, mais vous avez des informations qui nous intéressent. Archeisse. Meurs. Hop. Ouh, ho, 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 le feu. Haha, ça c'est bon ça. Hop, tu fais ça. Et ça. Hop. Là. Non. Vous avez voulu jouer les gars, maintenant vous assumez. Ouh, je l'aime bien le laser là. Je l'aime bien. Le laser lourd. Il est sympa. Et pile poil. Ouh. Un saut. Petite fouille permet de trouver. Bah, c'est sympa ça. Je commence à avoir plein de trucs. Je vais pouvoir améliorer des machins. Les portes. Ça. Peut-être les caméras. Ouais, donc pour l'instant ça doit aller. Hop, voilà. Allez, on se casse. On s'en va. Ok. Vous voilà dans l'espace des NJ. Les temps sont durs pour ces formes de vie robotisées. Ah oui, tiens, si, une question qui vient de me revenir. Est-ce que tu peux me dire aussi, Castelmark, si le stream est fluide et tout ça, parce que je teste des nouveaux réglages ce soir. J'ai fait des nouveaux réglages au niveau au niveau visuel et tout ça, au niveau débit et tout. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a du changement ou que c'est moins bien, j'en sais rien. Est-ce que ça a l'air de ramer des fois ou pas? Parce que je pense pas à regarder souvent. J'ai pas l'impression hein, que ça foire. Mais... les temps sont durs pour ces formes de vie. Par exemple, j'ai mis les réglages en 60 fps. Ouh!
PC Master Race, tout ça. Règle générale, les alclaves, mais oui, bah ça, je sais. C'est comme d'hab. Ah bon, bah nickel alors. Ok, bah c'est parfait. J'avais peur du coup que ça soit moins fluide ou quoi. Enfin, si jamais d'un coup ça se met à foirer, mais si tu me dis que ça n'a pas changé, bah c'est tant mieux. C'est tant mieux. Alors, trop d'endroits où on peut aller. Allez, au milieu. Coupons la poire en deux. Vous voyant arriver, armé jusqu'aux dents, un vaisseau vous envoie un message. Objectif sujet, enrichissement, motivation NJ, survie. Transfert de biens acceptable. On leur veut pas de mal, hein. Ah, c'est tout. Vous arrivez à une station encore fumante, elle a été attaquée par des pirates, détresse, personne, des survivants, des trucs. Montez à bord. Quelques morceaux d'Engie calcinés. J'aurais pu avoir des morts. Allez, on trace au milieu, on l'a dit. On a dit qu'on traçait au milieu. Un signal crypté est envoyé. Ça trappe ou it's not a trap? Allez, parce que je suis fou, j'ai envie de savoir, on y va. Ah, une petite cache de provisions. Prenez tout ce qu'il vous faut, ben voilà. C'est très bien ça, c'est parfait. Allez. Ils mentissent avant qu'ils ne vous voient. Nous, on va attaquer parce qu'on est des connards. Hop! Boum! Hop! Oh, en plus ils ont pas de... Ah. Oh non, genre ça a éteint quoi. Bon bah, a pu. Des pièces de ferraille. Ah, exploit. La cupidité est universelle. Haha. Ça va être chaud de passer par en bas. Ça risque d'être chaud. Assistance requise. Ah putain. Recevez un message. Cette fois-ci, c'est un mantis. Un stupide sac de viande. Vous voulez m'attaquer? Ah merde, non, 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 c'est pas bon ça. Ah, ils ont des drones de défense, les connards. Hop. Ah, attends, on va faire ça. Ah, ça va être relou ça. Ah bordel.
C'est pas bon ça, c'est pas bon du tout. Je vais crever! Non! Sors de là! Va-t'en! Vite! Ouh! Aïe 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 aïe! Ah, c'est pas bon du tout ça! Ah, je vais crever sûrement! Non! Non! Je suis foutu. Ça brûle encore ou pas? Faut partir. Je veux pas mourir. Oh. Je vais tellement crever. Ah, putain. Je vais mourir. Je veux pas mourir. Allez. Eh. Bah voilà. J'ai mouru. Une dernière explosion a eu raison de vous. Et votre vaisseau part en pièces. Ah là 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 là. C'est ballot. C'est très très ballot. Je vois un truc là. Juste. Hop. Foutu, tas de boulons. Ouais, non mais. Ouais, ouais, ouais. Là, j'ai souhait. Alors c'est chiant parce que du coup il y a des trucs que tu peux pas avoir tant que t'as pas terminé le jeu, tu vois, genre par exemple je suis condamné à avoir ce vaisseau là. Si j'ai un autre vaisseau, mais je sais pas bien m'en servir. Mais en gros voilà, si tu veux débloquer des vaisseaux, faut accomplir certaines choses qui sont pas forcément faciles à accomplir. Tu vois, si je veux avoir le deuxième agencement de salle pour ce vaisseau là, il faut encore que j'arrive à accomplir ça et à finir le jeu au moins une fois. Hop, ça pour le débloquer, je sais pas. Ah non, c'est où qu'on voit pour les... Hop. Je vois pas où on débloque les... les vaisseaux. Ah bah là, gné. Tu vois, alors celui-là... Venez à bout du vaisseau. Croiseur NG, tout ça. Vous allez devoir les aider, mais ils ne font pas confiance aux étrangers. Prétendent se construire les vaisseaux avancés dans la forteresse rebelle. Croiseur Zoltan. La diplomatie fonctionne, d'accord. Croiseur Rocailleux. Faites vos preuves auprès des Rocailleux pour leur montrer que vous méritez ce puissant croiseur. Un vaisseau limace doit bien savoir quelque chose au sujet de ce croyant. À vous de le convaincre de vous parler.
croiseur Mantis. Ce vaisseau est la propriété de Kazalpestekelek. Fla! Voilà. Le célèbre voleur Mantis. Vous allez devoir le convaincre de vous aider. Ah oui, je l'ai déjà croisé celui-là. Sauf qu'à chaque fois, il veut me buter. Donc je lui fais sa fête. Type B. Ok. Quelle heure il est? Attends, ça fait que 1h30 de stream. Il est 23h. On va s'en retenter une. On va s'en retenter une. Voilà, la première a foiré, comme lamentablement. Donc on va s'en tenter une deuxième. Alors attends, du coup, on va le renommer. Donc, le Milky Way. Hop. En pilote. On va mettre. Eh ben attends. On va mettre les trois qui étaient sur le chat. À savoir. Donc, nous avons. Hop. Castelmark. Black Cube FR. Et Nightbot, forcément. Voilà. Jouez! Les données que vous transportez sont vitales pour ce qui reste de la flotte de la Fédération. Vous avez besoin. Oui, bon. Hop. Voilà. Battez-vous jusqu'à ce que mort s'en suive. Et tutti frutti. Ah, je serais bien tenté de commencer par là. Quitte à faire. Ouais. Ou ça, ça, après on va remonter et tout ça. Ah, c'est joli. Vous arrivez dans un secteur, marchand. Oui? Parfait, je craignais que personne ne me réponde. Mon transporteur habituel a plusieurs jours de retard et j'aimerais que vous alliez livrer cette cargaison à une petite station à quelques sauts d'ici. Nous pouvons nous permettre de payer un autre transporteur. Le destinataire devrait vous récompenser généreusement. On va accepter. Hop, sur votre carte stellaire, j'adore. Je n'ai pas d'autre choix que de m'en remettre à vous. Vous avez ajouté un marqueur de quête. Il est où? Ah, il est là-bas. Ah, bah ça tombe bien, c'est par là que j'allais en plus. L'univers est bien fait. Oh putain, ça craint ça. Oh non, mais direct. Intrus à bord. Probablement, les vestiges d'une bataille. Vous commencez à récupérer des débris encore utilisables. Quand vous entendez quelqu'un se téléporter à votre bord. Hop. Voilà. Ah non, tiens. Va là-bas. Allez. Voilà. Hop, on va faire le gros taré. Voilà, comme ça, si jamais ils arrivent à s'ils arrivent à péter les portes, ils vont avoir une surprise. Voilà, amusez-vous. Attention, oxygène. Ouais, bah, c'est bon. C'est bon, quoi, 2 secondes. Ça, c'est un élément de gameplay que je trouve absolument, absolument cool, quoi. Le fait de pouvoir ouvrir les portes pour dépressuriser, faire s'échapper l'oxygène et... Hop, voilà. Et comment dire, pouvoir éteindre les feux et tout ça, tuer les ennemis, je trouve ça trop cool comme mécanique de gameplay. Ouais, c'est réparé. Allez, on s'en va.
Hop. Hop. Le vaisseau explose, laissant derrière lui des pièces de ferraille. Ça a pas foutu le feu au moins? Non. Hop. Ah ouais, d'accord. On va combattre le vaisseau parce que j'en ai rien à foutre. Faire ça, hop. Voilà. Boum. Hop. Continuons. La quête! Ah! Ah! Je pense que la boutique faudra l'oublier. Vous arrivez à l'emplacement que le marchand vous a indiqué. Vous êtes censé livrer des pièces de drone à une station qui se trouve là. Oh tiens! Salut, Intera! Petit coucou rapide! Ah! Boulot, bah ça arrive. Bah bon courage pour le boulot alors. Merci d'être venu faire coucou, c'est gentil, ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir. Vous trouvez la station qui répond immédiatement à votre salut. Eh bien, il vous en a fallu du temps. Nous n'avons pratiquement plus besoin de ça maintenant. Je refuse de payer plein pot. Ah bah oui, on va prendre des trucs. Hein. Mon pétage de vaisseau. Ouais bah c'est surtout le mien qui pète pour l'instant. C'est la deuxième partie que je commence là. Je m'en sortais pas trop mal et ça, bah, ça a foiré, forcément. Forcément. Ah, je me suis fait violenter comme il fallait sur la partie d'avant. La fin, ça a été un carnage. J'ai rien vu venir. Votre arrivée. Use the force. Oui, je voudrais bien. Je voudrais bien. Mais c'est pas si facile. Et pourtant, je joue en facile. C'est ça qui est terrible. Même en facile, j'arrive pas à le finir ce jeu. C'est te dire à quel point c'est dur, tu vois. Et encore, je suis sûr qu'il y a des gens qui seraient capables de me dire « Non mais en fait, c'est juste toi qui joues comme une merde, parce qu'en facile, c'est facile. » Ce qui est très probable aussi. À votre arrivée dans le système, où il y a un astronef pirate pour chasser, bon, on va aider les civils, hein, parce qu'on est gentil. Enfin, des fois. Désactivez vos armes, engagez le combat. Boum ! Les boucliers. Puis après les armes. Ah. Oh genre il l'a loupé. Putain. Salut Intera, merci d'être passé. Puis à la prochaine, hein. On revient quand tu veux. Oh Cruchette. Toi ici. Ah, coucou. Ouais, pas de soucis si vous avez loupé le stream, hein, c'est pas grave. Hein. J'arrive à streamer régulièrement en ce moment, donc vous. Pour l'instant, je tiens ma bonne résolution de 2019, la seule que j'ai prise, de streamer plus régulièrement. Pour l'instant, j'arrive à m'y tenir. Donc bah, n'hésitez pas à repasser la prochaine fois. Ce sera toujours avec plaisir. Bienvenue aux arrivants, hein. Bonsoir, bonjour, bonjour, hallo, guten tag, non, guten abend, on est le soir. Voilà, tout ça, salut.
prochain stream. Bah ouais, carrément, carrément. Avec grande joie. Le vaisseau se disloque. On contacte. Le vaisseau que vous avez sauvé était endommagé. La plupart de ses membres acceptent votre offre de les déposer. L'un d'eux se... Ah cool, un rocailleux, ça fait plaisir ça. Parce que eux, ils sont, si je dis pas de bêtises, ils sont immunisés au feu. Quelque chose comme ça. Et puis ils sont surtout très balèzes. Pour péter la gueule aux autres. Donc ça fait plaisir. Fais voir, attends. Rares sont ceux, voilà, immunité contre le feu. Bon, ils se déplacent comme des quiches, enfin comme des wish. Des wish Lorraine, évidemment. Et ils ont beaucoup de santé. Allez. Voilà. Hop. On continue. Tomber sur un vaisseau éclaireur de la flotte rebelle. Oh, ils essaient de s'en aller. Mais non, faut pas faire ça, restez. Restez, on va s'amuser. On va faire ça, on va tout leur péter comme ça. Voilà. Ah bah oui, hein. Grâce à mon puissant vaisseau cosmique, leur vaisseau se disloque. Vous dites que vous avez réussi à conserver un peu d'avance sur la flotte. Bien. Alors attends, du coup, hop, lui il faut qu'on le... Oh, je sais très bien quel pseudo va lui aller à merveille. Hein? Alors, Intera. Voilà, ça aurait pu être Benjik Stamps, mais il n'est pas là. Donc ce sera Intera. Voilà. Je sais pas ce que tu en penses, Castelmark, mais je pense que. Je trouve que ça lui sied particulièrement. Un vaisseau non identifié, gravement endommagé, sous le feu nourri d'un appareil pirate. La victime commence à envoyer un message de détresse. Les pirates. Hein. Non. Attaquez, on va jouer les héros. Peut-être qu'il y aura une récompense. Tu dis ça parce qu'il est gros? Non. Il est pas gros, il est... Je dis ça parce qu'il est balèze, il est costaud. Hein? Il est costaud. Hein, c'est-à-dire que s'il nous met une patate à toi ou à moi, il nous arrache la mâchoire quand même. Hein, voilà. Ah ouais, il joue à ça, lui. Un peu enveloppé. Montrer un peu trop résistant et ils essaient de s'échapper. Non, 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 non. Ça marche pas comme ça, les gars. Voilà. Il explose. Un trou dans la coque. Ah merde. Ils sont tous morts. Oh bah non. Oh, oh bah non. Oh bah non. C'est pas cool ça. Non, la boutique je l'aurai pas, donc je vais améliorer ça. Voilà. Parce que votre saut vous propulse dans un secteur spatial vide. Il n'y a rien, super. Oh, oh, j'ai moyen de faire un dernier saut, c'est cool. Quelle chance de tomber sur vous. Oui, bah on va vous péter la gueule, hein. Ça c'est pas un problème. Nous sommes là pour ça. Ça va, on a compris. Ah putain, j'ai plus que... Ok, vas-y. Vas-y. Et on s'en va. Vous êtes arrivé à la balise longue portée. Une fois le générateur SPL chargé, vous pourrez effectuer un saut.
Ah, on va aller les aider. Parce qu'on est sympa. Tire. Voilà. Et puis après, on va tirer là. Youpi! Youpi! On s'en va. Alors, secteur civil ou secteur pirate? Oups. Secteur civil, il y aura plus de boutiques. Secteur pirate, oh, allez, on va aller voir les pirates. Ah bah. Feriez bien de faire attention. Oui. C'est bien ça. Des petits bouts de nébuleuse, ça fait toujours plaisir. Intrus à bord. Merde. Tant que vous n'aurez pas réussi. Oh les bâtards. Pareil, on va les asphyxier. Non, toi tu restes là-bas. Oh putain, ils sont nombreux en plus, les connards. Pas sûr que ce soit la meilleure idée que j'ai eue en fait. Ceux-là ils sont en tout cassés, hein, c'est génial. Allez, battez-vous! On va. Oh mais je suis foutu là, c'est fait n'importe quoi. Je vais mourir. Non mais non mais non quoi. Alors ils sont tous partis? Non. Non, je suis foutu. J'ai pas envie de voir ça. Je suis désolé, mais non. Oui, je suis sûr. C'était foutu. C'était foutu d'avance. C'était foutu d'avance. Ah là là. Ah mais grave, non mais c'était horrible. C'est horrible quand ça fait ça. T'as vu ça? Début de partie, bim, allez, direct. Foupoudave. remettez l'un de vos membres d'équipe. Non mais ça va pas la tête. C'est pris pour qui celui-là? Ah merde. Ok. Ça va, les mecs ils se sont pas battus longtemps. Boutique, mais sérieux, ça sert à quoi d'avoir la boutique maintenant quoi? J'ai rien fait encore. Allez, aidez le vaisseau civil, continuez.
Voilà. Oh, genre, il l'a raté, quoi. Déconne pas. Hop, ça marrait, la plateforme pourrait prendre feu. Ouh, ça pue ça. Non, je le sens pas. Ouais, non, 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 je le. La station en feu là, faut pas déconner, hein, c'est bon. il semblerait, vos capteurs détectent une forme de vie. En explorant, vous ne trouvez qu'un seul survivant. Invité à se joindre à l'équipage? Cet ingénieur. Ah, cool! Et bah du coup, tu vas aller là, Charlie. Et donc, nous allons te renommer en Intera, parce que voilà. Hop. Détresse. Allons voir les gens en détresse. Le signal provient d'une petite station en orbite autour d'une planète inhabitée. Son système de défense par satellite ne fonctionne plus. Son équipe de réparation ne peut en approcher sans se faire tirer dessus. Ses employés ont besoin d'aide pour réparer ce système ou le désactiver. Promettre de les aider. Ah bah voilà, votre ENGIE parvient à réparer le système de défense du satellite sans que vous ayez à vous en approcher, ce qui permet à l'équipe de réparation de la station d'intervenir pour terminer le travail. Cela vous vaut le remerciement de la direction ainsi qu'une belle récompense. Alors si jamais tu te poses la question de c'est quoi les dialogues bleus, c'est en gros c'est des options qui apparaissent, qui en général sont toujours plus ou moins de bonnes options. Et ça apparaît selon certains personnages que tu as, ou je crois même certaines capacités qu'ils peuvent avoir. Par exemple, ça m'est, ouais, je crois que ça m'est déjà arrivé de me retrouver dans un endroit avec des débris flottants ou des trucs qui peuvent abîmer ma coque. Et genre le choix bleu, c'était bah, demander à votre pilote, qui a un certain degré de pilotage, bah, d'essayer de naviguer prudemment pour pas se prendre des trucs et tout. Et ça peut fonctionner donc. Mais des fois, les choix bleus, c'est pas des bons choix. C'est pas forcément un bon truc, tu vois. C'est pas du conciliant comme dans Mass Effect. Des fois, ça a des conséquences pas très sympas. Un classique avec. Ah, ok. Bah, pour ceux qui n'avaient pas compris, vous qui me regardez dans l'avenir du futur de demain, voilà. Ça sert à ça, les trucs bleus. Ah putain, ça va être chaud. J'hésite à y aller à la boutique. Non, à mon avis, c'est pas raisonnable. C'est pas raisonnable. Alors, vous avez l'air d'être des militaires. Nous essayons de rentrer chez nous en un seul morceau. Je suis ingénieur de métier. Je peux essayer d'améliorer votre réacteur. Vas-y. C'est toujours bon à prendre, ça. C'est toujours bon à prendre. Ah, merde. Ils sont rebelles. Hop.
Hop. Oh bah ça a été rapide, dis donc. Ah, on s'en va. Ah, genre je pouvais pas. Ouh, je suis parti juste avant de me prendre une éruption solaire dans la gueule. Dès que vous arrivez, il vous attaque. C'est pas très sympa ça. Franchement. Ah bah c'est bon, c'est réparé, vite! Continuez. Ah j'ai le temps d'aller en bas. Allez, on y va. Oh non. Si vous ne partez pas d'ici. Ouh, 8 missiles. Ouais, vas-y, on s'en va, parce que faut pas traîner à cet endroit-là. Et puis 8 missiles, moi je prends. Allez. 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 Ouh. On se casse. Arrivés, hein, vous pourrez effectuer un saut. Vous recevez un message en provenance d'une station proche, un croiseur de la Fédération qui pénètre dans l'espace rebelle. Au moins, vous ne manquez pas de camp. Vous vous apprêtez à activer votre armement quand votre interlocuteur n'en a pas terminé. Fort heureusement pour vous, nous ne soutenons pas tous la rébellion. Ces provisions vous aideront peut-être à joindre un secteur plus clément, sain et sauf. Cool. Attends, je vais améliorer ça. Et puis ça. Voilà. Parce que ça fait jamais de mal. Ah! Oula! Ça en fait du secteur civil. Eh ben, on va aller dans la nébuleuse. Hop, continuons. Quoi? Il y a plein de trucs, c'est trop bien! Non, ça c'est moins bien. Bien du tout ça. Dépêche. Voilà. Vas-y.
Vite. Non, j'accepte pas. Ah. D'accord. Cool. Cool. On va faire tac, tac. On va se faire un petit zigzag qui va bien. Ça va être sympa. On attaque aussi, hein. Il n'y a pas de raison. Plutôt ça. Pièce de ferraille, ok. Voilà, hop. Voir. Je vais peut-être améliorer. Hop. Voilà. À bord, merde, ils sont où là? Oh putain. Là, ils n'ont aucune chance. Bah, attendre que ça remonte un peu, sinon ils vont mourir. Ah. Allez, go! Ah, marchand d'armes de contrebande. Et si on essayait, tiens? On n'a pas essayé tout à l'heure. Allez. Missile perforateur. Ça donne quoi? Infliger le plus de dégâts à la coque. 22 secondes. C'est long ça. Dégâts normaux 4. D'accord. Pire, je pourrais le revendre. Un vaisseau endommagé. On va essayer de les aider. Hop. Cool. C'est cool ça. Tiens, tu vas aller là. Toi, tu vas aller là. Tu vas retourner dans son truc. Comment on pourrait l'appeler lui? Ah, je sais. Francky. Figs. Ah merde. Ah.
Oups! Désolé. Oups. Hey, j'ai eu la bonne idée de mettre mes touches de raccourci sur mon clavier numérique. Et du coup, bah quand je tape des numéros, bah ça change les trucs. Ouais, ils sont blessés, ouais. On va les soigner un peu. C'est pas urgent, mais bon. Hop. Ça, au moins, on est sûr. Boutique. Y a quoi à la boutique? Ah. Alors. Mon avis, lui, j'aurai jamais ce qu'il faut pour la. Ça, c'est pas mal, ça. La bombe incendiaire. Bon, ça a besoin de missiles, mais. Ça, c'est pas forcément très pratique. Je serais bien tenté de prendre la bombe incendiaire. Ça fait des trous sympas. Hop. Hop. Répare votre coque. Non. Non. Voilà. Puis, allez, je suis un ouf. Hop, continuez. Ah putain. Mais d'où ça passe pas le bouclier quoi? C'est quoi ce délire? Toi surtout, hein. Allez. Boum. Deux missiles. Non. Rien à foutre. Ouais, non, ça va rien, c'est bien. Hop. On s'en va. Ah, je vais peut-être me taper la flotte. Tout est calme. Ok. On s'en va.
Hop. Allez. Voilà. S'en va. Ah. Oh, le rocailleux ou chez les. Allez, vas-y. Zoltan. Planète solitaire. Nous interpelle. Que attends. Une énorme monolithe qui se dresse. Un vieux Zoltan nous interpelle. Que cela soit cherchant son nom, on est découvert le grand œil. Moyenne. Cool. Ça, je trouve plein de trucs. Deux secondes. Oups, désolé. Pitié contre temps. Voilà, rien de bien folichon. Donc y a rien d'autre que des larmes volutes de gaz. C'est d'accord. Je trouve un truc comme ça. Intrus à bord. Merde. Hop. Allez. Allez, on les défonce. Voilà. C'était pas très sympa, ça. Des trucs. Ah, collecteur de ferraille. Rayon incendiaire, c'est sympa, mais il faut pouvoir le caler.
Ça, je m'en servirai pas. Bombe incendiaire. J'hésite. Parce que ça passe à travers les boucliers. Je vais attendre avant de le... Stationné, vous admirez, Zantan, on continue. Ok. Nous sommes émissaires Zantan Pacifique, nous n'avons pas d'armes. Écoutez jusqu'au bout, prenons votre silence pour un accord. Prie, répandez la bonne nouvelle à tous ceux qui ne sont pas au courant. Une fois cela fait, contactez nos frères. Oh. C'est arrivé. Vaisseau rebelle. Tentez de les contacter. Leur chef ouvre la discussion. Rien de ce que vous pourrez dire ne vous sauvera. Rébellion se doit d'anéantir tous ceux qui sont encore fidèles à la Fédération. Alors qu'il est peut-être encore possible d'entamer l'âge de guerre. Rendez-vous. Ah merde. Bon bah, tant pis. Voilà. C'était vachement utile, dis donc. Scientifique, étude. Accepté. Merci d'avoir participé. Cool. Ça va être chaud. Ça va être très très chaud. Connaissance. On va peut-être tenter la diplomatie. Ouais, bah ouais. Ouais, bah je sais pas. Je l'ai déjà eu ce truc là. J'avais essayé une autre réponse et pareil, ils avaient pas voulu m'écouter. Donc bon, une prochaine fois. J'essaierai de leur dire d'enterrer l'âge de guerre la prochaine fois. Ouais, il y a des trucs des fois c'est... Ça fonctionne sur une partie, ça fonctionne pas sur l'autre. Je saurais pas dire trop pourquoi. Hop. Voilà. Allez. Voilà.
C'est étendu tout ça. Fois générateur SPL chargé pour effectuer un saut pour rejoindre le prochain secteur. Ah! Il semblerait qu'il soit possible de trouver les hommes d'équipage. Ah, ça peut être pas mal d'avoir le rocailleux là. Ouais, vas-y. Ah, attends, Jill, on va lui trouver un nom. J'ai qui d'autre comme viewer qui vient régulièrement? Ah bah si, on n'a pas vu depuis un moment, mais... Hop, Bullivan. Ah non, ou non, non, non. J'avais dit... Non, Bullivan, c'est mieux. Ouais. Il y en a un que je vais renommer, du coup, c'est lui. Hop, voilà. Je crois que c'est ça en plus. Attends. Il s'écrit comme ça ou... Ah non. Je m'ai trompé. C'est pas un I. C'est un 1. Voilà. Secteur suivant. Contrôle rebelle ou NJ. Ah. Vas-y, on va aller péter la gueule aux rebelles. Parce que je suis un fou. S'agissait d'un secteur, les rebelles. Bon, je vais pas tarder à m'arrêter par contre. Je suis un peu fatigué. J'avoue. J'aimerais bien essayer de faire ça et après. Par là. Ouais. Ça. Ah putain. Voilà. Voilà, ça c'est sympa comme... Les astéroïdes ont tout fait à ma place. On fait ça. On va les attaquer, hein. Qui attaque tout ce qui bouge quoi. Sérieux? Non. Voilà. Deux missiles. Et un... Allez.
Je les ai attaqués alors qu'ils demandaient rien. Eh ben. En plus, j'ai farmé, c'est bien. M'énerve quand il rate comme ça là. Ça aurait pu être dramatique. Hop là. Ah. Ah, c'est pas mal ça, l'escalier longue portée. Je vais prendre ça. Ok. Le perforateur. Ah mais c'est long ça, puis il faut beaucoup de puissance. Non. Ah. Bien l'Artémis pour mettre ça à la place. Ouais, je pense que je vais faire ça. Hop.
Sauf que... Faut... En plus là... Et en comme ça. Ok. Voilà. Et là, c'est pas trop mal. Ah si, et du coup... Voilà. Mais là, je me bloque si je fais ça. Je pense qu'on va finir le secteur et puis je vais m'arrêter. Comme ça, j'ai les yeux qui se ferment un peu tout seul. Pas d'autre vaisseau, c'est connecté. Même pas sûr. Ok. Moteurs ont été détruits. Tiens! Ah, cool! Tente les nébuleuses. What? Ça c'est pas cool. Ça c'est pas cool du tout. Non, on va pas sauter. Pas le temps, mais je vais le tenter quand même. Hop, cool. Ah, mon AG se cache. On a eu le temps de le contacter, il disparaît. C'est bon. Ceinture d'astéroïdes. Vas-y. Ah, le salaud. Ça mange plein de dégâts, ça c'est cool.
Allez, tire! Voilà! Hop! Mais je dois te charger! Ah, je serais tenté d'aller à la boutique, mais c'est pas raisonnable. C'est pas raisonnable. C'est arrivé. Hop, ah! Cette balise a l'air de servir de point de rendez-vous. Je prendrais bien celui qui sait se battre. Ça pourrait être pas mal. Ouais, vas-y. Lui, on va l'appeler. Comment je pourrais l'appeler? Attends, tiens. Ah si, attends, dans les derniers followers que j'avais, il y avait, j'ai vu, quelqu'un qui s'appelle lui, avec 1, 2, 3, 4, 4 L majuscules, ok. Voilà. Hop. Et du coup, on se casse, secteur Zoltan, et ça va être la fin, parce que je fatigue. Il va être minuit et demi, minuit 20, ouais. Ouais, c'est pas mal. Parce que 3 heures de stream, c'est correct. Ok, bah je vais sauvegarder et quitter. Oula! Ah oui, d'accord, c'était sauvage. Attends. Boum! Voilà. Ah, c'est mieux. Dodo! Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Parce que la fatigue. Du coup. Voilà, comme d'hab, hein, je m'adresse à vous qui me regardez dans l'avenir du futur de demain, tout ça, hein, si ça vous plaît, follow Twitch, follow Twitter, où j'annonce mes lives, tout ça, viens des légendes, on rigole bien. Et puis voilà, le prochain stream, j'ai aucune idée de quand je le fais, je pense pas demain. Dimanche soir, ce sera pas possible. Je suis pas, c'est pas prévu. Bref, donc si j'y arrive, je dirai prochain stream lundi. Et pour le coup, je pense qu'on se fera du Timbleweed Park. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que t'en penses, Castelmark? On continue Timbleweed lundi? Moi, je suis chaud. Je verrais bien. J'y réfléchissais là dernièrement, je verrais bien le lundi point and click en fait. Voilà, je mettrais bien une thématique point and click sur le stream du lundi. Vu que j'en ai plein à faire, bah il y a moyen que ça tienne quoi. C'est une excellente idée, bon bah on fera ça alors. Donc lundi normalement je stream. Je vais pas le promettre parce qu'on sait jamais, hein, des fois que comme l'ami Black Cube tout à l'heure, je sois atteint de flémingite aiguë, ce genre de truc. Mais voilà, normalement, si tout se passe bien, lundi je stream. Et donc ce sera du Timbleweed Park, parce que bon, on l'a toujours pas fini, et que j'ai bien envie de le terminer. Donc, sur ce, sans plus attendre, on va devoir se quitter, perché c'est comme ça. Je vais vous dire à très bientôt. Voilà, je vais rendre l'antenne à vous Cognac G, à vous les studios. Et puis bah, on se retrouve une prochaine fois. Allez, petite transition, musique, tout ça, et puis voilà. Ciao!